Bonjour à tous, c'est Soran et bienvenue dans ce deuxième devlog qui va être dédié à Curb Spector. Alors les devlogs, pour rappel, c'est des vidéos qui vont vous montrer l'avancement des projets perso sur lesquels je travaille. Et vous verrez en fin de vidéo que je vais changer un petit peu la méthode de sortie des guides et des tutos pour que ça coïncide avec les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Ce qui va faire que je parlerai et je créerai des vidéos en fonction des sujets que je vais traiter sur mon projet et surtout des problèmes que je vais rencontrer. Voilà. Donc, Curb Spector, je vais y arriver, c'est un peu chiant à dire. Ça va être un jeu de course arcade Die and Retry. Alors, pour refaire un petit peu d'histoire, à la base, le jeu s'appelait Air Rift, et c'est un jeu que j'ai réalisé en dernière année d'études de game design. Et ce jeu, c'était de la merde. Voilà, c'est dit, il était nul à chier, il était bourré de problèmes, et on a eu beaucoup de problèmes pendant le développement. Certains qui ont été par ma faute, d'autres qui n'ont pas été par ma faute. Voilà. C'est l'aléa des projets de groupe, malheureusement. Donc ça a été... ça a été une pure... Et puis en plus, c'était sur Unity, j'ai jamais aimé Unity. Bref. Donc, on crame tout, et on part sur des bases propres, comme dirait le seigneur Léo Dagan, n'est-ce pas? Et donc je garde le concept en lui-même, et ensuite je jette à peu près tout le reste, et je repars quasiment à zéro. Donc le concept était que c'était un jeu de course solo time trial dans lequel il était, dans lequel le but était de faire le meilleur temps possible sur le parcours. Voilà. Donc par rapport au pitch, ce que je me suis dit qui était intéressant en fait pour avoir une espèce de contexte, et ça c'est mon téléphone. Pour avoir un espèce de contexte, ce serait un jeu télévisé, un petit peu à la manière typiquement d'Apex Legends, qui aujourd'hui est un BR qui prend le principe d'un jeu télé, ou au moins de quelque chose qui est suivi comme de l'e-sport en vrai, donc des gens qui s'entretuent dans une Battle Royale, enfin, je divague. Donc voilà, le principe c'est d'un jeu télévisé où les concurrents s'affrontent à bord de vaisseaux de course, où tout le monde est seul par contre, donc on suit vraiment l'évolution d'un seul pilote à la fois. Je verrai bien des écrans sur le parcours avec le leaderboard qui va s'afficher, avec les temps que les autres joueurs ont fait, ce genre de choses. Enfin voilà, pour essayer de donner une espèce de présence de présence d'autres personnes aux joueurs, tout simplement. À condition qu'il y ait des gens qui jouent. C'est un autre problème. Donc pour ce qui est de l'overview, donc le jeu s'appelle Curb Spector, bien entendu, qui va être disponible sur PC. Est-ce que je vais pousser jusqu'à faire une version Mac et Linux? Si on me le demande, pourquoi pas, à la limite. Ça pourrait toujours donner une vidéo pour l'exportation sur d'autres plateformes. Donc comme je le disais, c'est de la course arcade Die and Retry, et ça va bien sûr être fait sur l'Unreal Engine. Parce qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas vraiment d'autres moteurs que je sais vraiment maîtriser. Un jour Unity proposera peut-être une solution plus simple pour la programmation, mais tant qu'ils le feront pas, je vais pas aimer Unity en fait. Pour ce qui est de mes références gameplay, un petit peu de mal avec ma gorge. J'ai pris comme exemple Trackmania 2. Puisque c'est clairement ce que je veux reproduire dans le feeling, en fait. C'est vraiment un jeu de course où le but va être de faire aucune erreur pour faire le meilleur temps possible. Avec un retour au checkpoint et un retour au tout début si on sent qu'on a fait n'importe quoi. Avec des tracés, alors il n'y aura pas possibilité de créer ses propres tracés, bien entendu, parce que c'est bien trop compliqué pour moi à réaliser, mais donc avec des tracés un petit peu biscornus, avec différents environnements. Et j'ai cité Freelancer aussi, puisque j'y ai retouché très récemment, et c'est grosso modo le type de contrôle que je voudrais.
J'ai trouvé un mec qui a créé un type de contrôle à peu près pareil sur Unity. Donc là, mon but va être de convertir ce qu'il a fait en C#, donc en ligne de code en C#, et de le convertir en blueprint pour l'Unreal. Ça va être la grosse difficulté. Ou alors, faut que je trouve un moyen de faire quelque chose de similaire sans, en m'en inspirant, sans essayer de faire exactement la même chose. Pour ce qui est de notre caractère, donc notre personnage, même si c'est pas vraiment un personnage, donc on va contrôler un vaisseau. Alors c'est pas vraiment un vaisseau spatial, même si ça y ressemble, c'est un aircraft, parce que c'est un vaisseau d'atmosphère, comme j'aime les appeler, même si ça se dit pas, je crois pas. Je vais casser la tirelire, je sais plus à combien il est, je crois qu'il est à 20 et quelques euros. Je vais acheter le fictional aircraft pack sur l'Epic Games Asset Store, puisque bah, c'est quasiment ce que je veux. Voilà. Donc le but est qu'on va pouvoir donner la possibilité de choisir entre différents vaisseaux, sachant que les différents vaisseaux vont avoir différentes caractéristiques. D'ailleurs, je peux peut-être en rajouter une. Oui. D'ailleurs, je pourrais peut-être en rajouter une. On en reparlera. Je vais en parler maintenant, du coup. Différentes caractéristiques, l'accélération, la vitesse. Donc, ce que je sous-entends, c'est la vitesse de pointe et la maniabilité. Donc, ça va être la force à laquelle il va être possible de tourner. Et je vais rajouter une autre caractéristique qui va être la jauge. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que la... Ah bah non, c'est écrit en dessous de toute façon. Donc, les capacités qu'on aura, accélérer, ralentir, sachant que on va pas... Je sais pas encore si on va contrôler directement la vitesse, ou si on va contrôler un marqueur qui lui définira la vitesse. C'est ce qu'on avait fait sur Air Rift. Parce que ça permettait en fait de ne pas garder appuyé l'accélérateur constamment. Donc c'est vraiment définir une réglette sur la vitesse et ensuite le vaisseau montait à cette vitesse. Donc je sais pas comment je vais faire. Ensuite on peut se mettre sur la tranche. Donc on se met à la verticale en fait. Donc ça permettra de passer dans des endroits un petit peu plus exigu. Donc ce sera je pense la différence entre un bon et un mauvais joueur sur le jeu, puisque quelqu'un qui se mettra sur la tranche pourra passer dans les plus petits endroits, ce qui permettra justement de gagner potentiellement du temps. Donc ça impliquerait que le level design soit lié avec cette spécificité. Comme je suis pas très bon en level design, on va voir, ce sera aussi un moyen de me remettre au level design, justement. Et donc cette fameuse jauge qui va permettre le boost et le bullet time. Je me demande en fait, même si je suis arrivé à la conclusion qu'une seule jauge, serait le meilleur moyen, je me demandais si je pouvais pas faire deux jauges et que l'une influe sur l'autre. Par exemple, si on utilise le boost, ça fera baisser la jauge, plus doucement bien entendu, du bullet time. Voilà, c'est ce que je me dis. Après, je pense que la jauge commune reste quand même le meilleur point. Sachant qu'un bon joueur utilisera le boost pour gagner du temps, et un moins bon joueur utilisera le bullet time pour augmenter son temps de réaction, pour éviter de se faire, avoir. C'est un peu ça. En fait, je remplace certaines features qui étaient nulles sur Air Rift. On avait un espèce de système d'arc électrique qui demandait de passer à l'accélération minimum, donc sachant que le vaisseau conservait son momentum. On avait une autre où il fallait passer à une vitesse moyenne, et la dernière, bon, il fallait aller à fond parce qu'il y avait des espèces d'éboulements. Donc voilà, c'était ça nos features, c'était vraiment de la merde. Donc pour les contrôles, je vais partir sur, pour l'instant, des contrôles manettes uniquement. On verra si j'adapterai un contrôle clavier ou pas, sachant que l'intérêt ce serait de créer un moyen de rebind les touches. C'est un petit peu complexe à mettre en place, mais en bougeant un peu, en réfléchissant, je pense que je peux le faire. Donc les bumpers, donc R, B et L, B, seraient pour la mise sur la tranche à gauche, à droite, sachant que c'est exactement la même chose, mais bon, bah voilà, ça... Ça fait une espèce de symétrie. Les gâchettes derrière, donc RT et LT, permettraient donc RT d'accélérer, LT de ralentir. On se dirige bien entendu avec le joystick.
On recommence le parcours depuis zéro avec la touche back. On reprend au dernier checkpoint avec, en appuyant sur le stick droit. Je sais pas si c'est le bon plan, mais je sais pas où le mettre. Je sais pas où je peux le mettre autrement, en fait, celui-là. La touche pause bah, sert à mettre la pause. Et pour ce qui est de nos 4 petites touches A, B, X, Y, on aurait le boost sur Y, le bullet time sur X, annulé sur B et validé sur A. Très classique pour ce qui est du A et du B. Pour ce qui est de la caméra, on partirait bien entendu sur une caméra à la troisième personne. Je me sens pas de faire une caméra en first dans un cockpit. Donc, non, et puis je pense que pour une question de gabarit et de précision, il faut être à la troisième personne pour ce genre de. Pour ce genre de jeu. Donc, qui serait placé bien entendu derrière le vaisseau. Et je pense qu'elle serait légèrement au-dessus en pointant vers le bas, mais vraiment très légèrement. Il va vraiment falloir la calibrer parce que ça va être vraiment le plus important, la caméra. Et donc j'avais pensé à faire une interface diégétique, donc ça veut dire qu'il sera dans la diégèse du jeu. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Dans la diégèse du jeu, et qui du coup serait intégré au vaisseau par un système d'hologramme derrière le vaisseau. Voilà, ce serait juste intégrer l'interface à l'univers, parce que je trouve ça cool. Sauf bien sûr le chrono, qui lui, c'est pas intéressant. Alors même s'il sera intégré à la parce que ce sera sur des écrans le long du parcours, mais on l'aura quand même en haut de l'écran pour pouvoir garder un œil dessus. Pour ce qui est des environnements, je fais avec ce que j'ai. Donc avec tous les éléments que j'ai eus entre les ventes de l'Unreal, les trucs gratuits, un petit peu tout ce que j'ai, sauf le monde virtuel qui lui, je vais essayer de le créer de toutes pièces avec des petits matériaux un peu cool dans le style synthwave années 80. Donc là j'ai pris comme représentation les missions de réalité virtuelle d'MGS. Sinon, je propose falaise et bord de mer, sachant que les circuits seront dans des espèces de canyons et de ravins, justement pour avoir des bordures naturelles, donner cet aspect un petit peu Star Wars épisode 1 dans le canyon, la course de pod dans le canyon, ou un petit peu le système, enfin la scène de l'étoile noire dans les tranchées de l'étoile noire. Ça aussi, je garde du premier Rift, parce que ça permettait d'avoir des bordures naturelles, ce qui évitait de mettre des murs invisibles, en fait. Même si, aujourd'hui, je suis pas contre créer un espèce de petit mur holographique. C'est peut-être pas une mauvaise idée, le mur holographique, un petit peu à la manière du bouclier de Winston, comme j'avais fait dans une précédente vidéo. C'est peut-être pas le mauvais plan. Ça permettra d'avoir des barrières tout en étant moins cloisonné. C'est peut-être pas un mauvais plan. Ensuite, je propose des ruines anciennes. Parce que pourquoi pas. J'ai pas besoin d'une cohérence, entre guillemets, puisque limite, il y a le monde virtuel qui sera fait pour l'entraînement, et limite, je peux justifier que les courses, en fait, ça se passe dans un environnement virtuel, donc à la limite, je m'en fous, et je peux faire à peu près n'importe quel environnement que je veux. Dans une base futuriste, alors c'est parce que j'ai le sci-fi hallway, donc je sais pas ce qu'il donne parce que je l'ai pas encore regardé de près, donc je sais pas si je pourrais faire des couloirs, mais ça ferait couloir un petit peu à la Star Fox 2, dans des espèces de bases futuristes, des stations spatiales, ce genre de trucs. Et le dernier, c'est le désert. Il me semble un peu low poly, donc je sais pas s'il va vraiment coller au reste de l'univers. On verra. Au reste de la DA, donc il faut pareil que je le regarde. Mais c'est les 5 environnements qui pour l'instant me... Peut-être une forêt en 6, je sais que j'ai des assets de forêt. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà, on met la forêt entre parenthèses. Bon, pour ce qui est des features du coup, donc on a le boost et le bullet time, donc comme je me disais tout à l'heure, jauge commune, oui ou non, impact l'une sur l'autre. Voilà, à voir. Les environnements, les obstacles donc seraient probablement environnementaux. Donc typiquement avec la falaise, ce serait, enfin avec le bord de mer, ce serait potentiellement des éboulements, ce genre de choses. Le désert, ce serait potentiellement
des tempêtes de sable, donc avec des particules ou des nuages volumétriques. Voilà, ce serait ce genre de choses. Des collectibles, est-ce que j'ajoute des collectibles? Donc remplissage de la jauge, donc avec des petites sphères d'énergie, et potentiellement donner un bouclier, donc peut-être même avec un vaisseau pour entre guillemets débutant, avec un bouclier de base, mais qui ira beaucoup plus lentement, donc qui ne pourra pas permettre de faire de vrais scores. Donc trouver un collectible de bouclier qui permettrait de supporter un hit. Activer des leviers pour ouvrir des passages, ce genre de choses. Voilà, je balance des idées comme ça, ça peut faire partie du jeu fini. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire du die and retry, c'est-à-dire que la moindre collision déclenchera l'explosion du vaisseau et provoquera soit un retour au checkpoint précédent, si on le veut, ou un retour à zéro, parce que le retour au checkpoint, lui, ne réinitialiserait pas le chronomètre. Donc le plan, du coup, maintenant, je sais pas si ça va être... C'est pas le nombre de vidéos que je vais faire, hein. Ce sera l'avancement en fonction. Donc dans l'idéal, le prototype serait de faire les contrôles, le caractère et la caméra, donc sachant que le caractère, je vais l'acheter, donc ça va être assez rapide à faire. Avoir un vaisseau jouable, donc qui sera le plus, le plus équilibré, donc tout sera au milieu, la vitesse, l'accélération et la jauge, et la maniabilité. Une seule piste, le monde virtuel, que je ferai peut-être en génération procédurale, de manière à donner un peu de challenge et à modifier le parcours à chaque fois pour tester tout un tas de possibilités. Ensuite, j'ai envie de faire un menu vraiment ultra poussé, le max que je puisse faire. Donc, menu principal, menu d'options, choix de différents vaisseaux pour après, choix de la piste, changer les couleurs des vaisseaux. Je veux vraiment essayer d'améliorer mes connaissances et compétences avec l'outil d'interface d'Unreal UMG. Pour ce qui est de l'alpha, ce serait... Alors, c'est un peu présomptueux. Oui, c'est même très présomptueux d'ailleurs. Intégrer tous les vaisseaux, toutes les pistes et toutes les fonctions. Toutes les fonctions, oui, mais tous les vaisseaux, toutes les pistes, on verra. On verra. Et du coup, pour la bêta, faire des cinématiques un petit peu à la manière de Mario Kart, où on voit des passages de la piste et tout, avant de la commencer, ce serait assez sympa. Et des leaderboards en ligne, puisque l'intérêt serait que tout le monde puisse s'affronter avec des leaderboards, donc un leaderboard par piste, donc en utilisant, j'imagine que c'est SQL, mais je sais pas exactement comment ça marche avec l'Unreal, donc pareil, ça pourrait donner lieu à des vidéos d'explication. Et donc, justement, j'en parlais les plus pour la chaîne, un guide sur les sequencers, un guide sur AMG, parce que ça va être des choses que je vais vraiment utiliser. Ensuite, le bullet time, une sélection de personnages, changement de skin, tout ça également pour des tutos, pour des one-shots, ça peut être très intéressant. Et là, j'ai pensé d'autres choses que je vais découvrir sur la route, effectivement, donc je pensais aux fonctions de base de données. Et d'autres trucs, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez envie de dire quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, j'ai pas mal blablaté. Oui, j'ai pas mal blablaté. Donc, en espérant que le projet vous hype un petit peu, je vous cache pas, si vraiment il y a du potentiel, je considérerais peut-être une sortie... C'est tellement présomptueux. Je considérais peut-être une sortie sur Steam. Ne serait-ce que par principe de sortir un jeu sur Steam. C'est pas compliqué de sortir quelque chose sur Steam. Le tout, c'est de se faire voir. Si j'arrive à créer quelque chose de vraiment bien, et si je sens qu'il y a du potentiel, je serais même prêt à payer des artistes pour un rendu texturing complet,
pour... Il y a peut-être quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose avec ça, parce que Air Rift, donc le jeu de base, le jeu étudiant que j'avais fait, ça fait quand même partie des plus gros échecs que j'ai pu subir. C'est vraiment une catastrophe, ce truc. Et j'ai envie de me racheter ma propre conscience en sortant quelque chose de cool. Voilà. Donc en espérant que ça vous ait plu, et on va voir en fonction de l'avancement ce que ça donnera. À bientôt. Salut à tous !